Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, les gars. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. C'est totalement gratuit et ça prend 2 secondes. Aujourd'hui, pour cette vidéo, on va pas être tout seul. On va avoir des youtubeurs, le fils d'un youtubeur. Et vous allez voir qu'on va faire une bonne vidéo que vous allez kiffer. Du coup, restez bien jusqu'à la fin parce que surtout à la fin, ça va être vraiment épique. Mais bon, je vais pas vous dire, les gars, à quel moment ça va être épique. Du coup, voilà, c'est pour ça qu'il faut regarder la vidéo du début jusqu'à la fin et mettre un maximum de likes si vous voulez d'autres vidéos avec Souka, Twinner, etc. Et aujourd'hui, pour cette vidéo, on tente les 3000 likes, voilà, donc mettez 3000 likes sur cette vidéo, je compte sur vous, et on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Ok, du coup, alors aujourd'hui, on n'est pas dans ma maison, on est dans ma maison, je crois, genre c'est une maison de campagne, je sais pas si c'est à Talcado ou autre, bon bah, je sais plus à qui c'est, je sais que c'est un youtubeur qui me l'a prêté, et regardez, par exemple, là, on a des petites transats et tout, un petit jacuzzi, et là, on a comme un petit salon, et en fait, regardez, c'est que le truc, il est énorme, là, il y a un petit escalier, non, ça c'est pas un escalier, c'est un ascenseur, je crois, ok, voilà, un ascenseur, et regardez, là, il y a encore un autre salon, et je crois que ça descend encore sur un autre niveau, ouais, regardez, il y a un lit ici pour les couples. Voilà, c'est ça, c'est voilà, c'est cet escalier que je parlais. Et il y a un sous-sol aussi. Du coup, c'est un sous-sol qui est secret. Donc, si vous voulez le voir, dites-le moi. Il y a des trucs hardcore dedans. Et en plus, il y a des personnages, je crois, dedans. Et vu que les personnages, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu sur ma chaîne, bah, n'hésitez pas à me dire des commentaires et on ira voir ce qu'il y a en dessous. Qu'est-ce qui se cache. Du coup, alors, je vais me préparer. Hop, du coup, je vais aller dans ma petite salle de bain. Donc, j'ai déjà pris ma douche. Je vais aller aux toilettes en deux spi. Voilà, du coup, vous me voyez aux toilettes. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va aller simplement chez Souka. Parce que je voulais faire une petite blague à Souka. Peut-être tuer ton fils. Je ne sais pas, on va voir ce que. On va voir si déjà son fils est là, donc son fils Billy pour ceux qui connaissent. Du coup, alors il est dans la nouvelle ville, donc je sais pas si vous avez suivi ces vidéos, mais il a changé de ville et il va peut-être encore déménager, ce n'est pas encore sûr, mais j'ai entendu ça hier soir. Du coup, alors je ne sais pas où est sa nouvelle maison, ce qu'on va faire c'est qu'on va la chercher. Du coup, alors je ne pense pas qu'elle soit ici, regardez là, il y a une église juste là. Alors attendez, je pense pas qu'il habite dans une église, mais on va quand même vérifier. Non, ok, oh, elle est magnifique, regardez. Bon, je sais pas pourquoi il y a un truc, je crois que ça c'est un truc hardcore. Wesh. Les gars, j'ai entendu du bruit, je crois que c'est par là-bas sa maison. Alors, attendez. Ok, je crois j'ai entendu Souka éternuer, parce que je reconnais les éternuements de Souka. C'est bizarre, les gars. Mais vous inquiétez pas, que vu qu'on est tout le temps en vocal, on reconnaît vite les choses. Du coup, alors, on va vite observer. Je crois que la maison, en plus, n'a pas changé. Ah oui, c'est celle-ci, regardez. Je crois que c'est cette maison. Hardcore. Oui, là, il y a une grosse fontaine. Je sais pas ce que c'est, je crois que c'est une fontaine à diamants. C'est un nouveau truc que Souka a dans son petit jardin. Du coup, c'est parti. On va s'approcher de sa maison sans se faire cramer. Oui. Wesh, c'est quoi ça? Billy, Billy! Wesh, regardez Asuka, Asuka, les gars. Billy! Papa! Oui, papa! Oui, tu fais traîner tes pistolets laser partout! Wesh, regardez! Oh, papa! Oh, je te l'ai dit, tu vas le ramener de l'espace! Billy. Wesh! Hardcore, regardez! Papa. Wesh, des pistolets laser! Il y a le feu! Billy, Billy, Billy! Ah. What? Wesh, il y a mis le feu, regardez! Wesh, regardez, il y a mis le feu! Oh! Mais là, c'était pas prévu ça, c'était pas prévu! Mais t'es un bouffon! Wouah, regardez les gars, ça crame! Toute la maison, elle crame, les gars! Oh. Wesh, regarde en haut, ça commence à cramer. Oh, wesh. Oh non. Hardcore, oh, bah, si, les gars. Oh non, Billy, Billy, Billy. Oui. Mais non. Hardcore, les gars, regardez, Billy a cramé la maison de Souka sans faire exprès. Ça crame encore en haut. Ok. Faut rappeler à Waris. Ok, je crois que c'est bon. Oh, mais... parle de moi. Où ça, ça crame. Ah, c'est bon, ça, ça crame plus. Je sais pas. Non, ça crame plus, ça crame plus. Ok, ils ont réussi à sauver le feu, les gars, regardez. Ouh. Hardcore. Ah, ça crame. Wesh. Où ça non, c'est bon. C'est bon, c'est fait, j'en ai. Oh, mais vas-y, Billy, regarde, à cause de toi. Regardez l'énorme trou qu'il y a. Wesh, il rejoue encore avec le pistolet laser, faut qu'il arrête. Non, vas-y, donne-moi ça, je jette à la poubelle. Eh, vas-y, Billy, tu sais quoi? Moi, je dois aller à... Bah, vas-y, tu sais quoi? Je vais faire un tour à Bricorama pour acheter des nouveaux matériaux. Ah, oui, d'accord. Oh, nickel, les gars. Il y a Souka qui va partir de sa maison, je crois que Billy... Eh, par contre, tu fais pas de bêtises, hein. Je crois qu'il va aller dormir, Billy, de toute façon. Mais rends-moi ça. Attends, encore un coup. Wesh. Mais fais gaffe, tu risques de blesser quelqu'un. Hardcore, regardez les gars, oula, je vais vite m'éloigner. Regardez, putain, il tire de mon côté en plus. C'est très bien que ce pistolet donne le coronavirus. Wesh. Ah oui, zut, les gars, c'est le pistolet du coronavirus, ok. Non, je donne pas. Ok. Vas-y, je donne. Non, je donne pas. Oh, bah vas-y, tiens. Et voilà, ok, merci. Hop, vas-y, moi je me tire. Ok, Souka, il parle. Okay. Oui, papa. Ok, du coup, à mon avis, du coup, Billy va rentrer chez lui. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que Souka parte bien de chez lui. Ok, je sais pas où il est, je crois qu'il est bien parti là. Ok, je ne vois plus Souka dans les alentours. C'est parti, on va rentrer chez Souka. Regardez, oh, il y a Billy juste ici. Wesh. Ok, c'est parti, on va rentrer. Il y a quelqu'un ou pas? Wesh. Oh, regardez le trou qu'il y a. Oh, j'ai tout peur. Billy, t'es là? Billy. J'ai un cambrioleur. Wesh, les gars, c'est à Maurice, Billy. Ah, ok, je crois qu'il va descendre. Regarde là. T'es où? Derrière toi. Oh, il est là, regardez. Descends, Billy. Faut vite que je te dépêche, faut que je t'explique un truc. Oui, quoi? Ton père, il est où là?
Bricorama. Ah, Bricorama, ah, pour... des Portugais, oui. Ah, c'est pour réparer le gros trou, là. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a un incendie. Il y a un incendie. Et refais le pas. Attention, ça peut cramer. Ok. Ouais, chouette, arrête. Ok. Bon, bref, parce que ça fait beaucoup de bruit. Vas-y, pose-le, ça. D'accord. Ok, je voulais te dire un truc. Ton père, il revient dans combien de temps, là? Il revient dans combien de temps, ton père? Ah, il revient dans une heure. Une heure, ok. J'ai un truc à te proposer. Est-ce que t'es chaud qu'on le prank? Quoi? Tu veux qu'on le prank? Comment ça, prank? Est-ce que t'es chaud, genre, en mode... Avec un fruit... Ah, le fruit, une mangue. Non, qu'on le prank, tu sais, qu'on lui fasse une blague. T'es chaud ou pas? Une blague, un troll, quoi. Ouais, un troll, ouais, c'est ça. Ok, oui. Est-ce que t'as une chambre ou pas, toi? Ou c'est tu dors chez lui? Moi, j'ai une chambre. Ou tu dors dans sa chambre à lui. Ok. Wow, c'est ta chambre, ça? Oui. Et sa chambre à qui, il est ici, en rose? Bah, ça, c'est ma soeur. Ah, c'est une soeur, ok. Ouais, ça, c'est vrai qu'elle est moche. Bah, arrête avec ça, s'il te plaît, parce que ça fait vraiment de bruit, parce que sinon, tiens, ouais, j'ai pas envie de faire des coupures. Okay. Du coup, regardez, ça, c'est la chambre. Ah, Billy, il est où, ton lit? Ah, c'est ça? Moi, il est là. Ouais, je suis Billy, il a un énorme lit, les gars. Bon, Billy, est-ce que t'es chaud que tu t'allonges par terre et que je mette du sang tout autour et qu'on fasse genre que je t'ai tué? Et genre en mode, oui, tu sais, et quand ton père il arrive, tu fais genre encore t'es un peu vivant et tout, et tu dis comme quoi, genre en mode, ouais, c'est Awaris et tout, et il va péter un câble. Ok? Ah oui, d'accord. Et après, genre, je pense que quand il sera triste, tu vois, parce qu'il va te voir mourir et tout, et que je pense qu'il va être énervé, je sortirai, je me cacherai juste ici derrière la porte là, je regarderai. Dac? Ok. Ok, donc ça vas-y, va. On va juste ranger tes jouets un petit peu, on va les mettre autre part parce que là ça fait un peu le bordel. Tac. Ouais, tu touches pas mes jouets! Vas-y, bah range les, pour l'instant je prépare le sang. Ok, bon du coup les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du faux sang. Du coup Billy, yes, il veut faire le prank pour son père, donc je pense que lui il aime bien faire peur à son père. Donc c'est parti, regardez, on va mettre du sang un peu partout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des traces jusqu'en bas de la maison, comme ça Souka déjà il va commencer à flipper une fois en bas. Donc c'est parti, on va mettre des traces de sang dans les escaliers. Voilà, on va les mettre là. Bon, dans l'escalier on peut pas, on va mettre ici, tac, là, et après je crois sa chambre, voilà, ça va jusqu'ici. Tac. Et voilà, nickel. Ok, bon, regardez, il y a plein de sang de partout. Donc là, Billy a rangé tous ses jouets dans son petit coffre à jouets. Du coup, regarde, Billy, là, c'est bon, il y a assez de sang, tu penses? Ah oui, attends, vas-y, maintenant je m'allonge. Vas-y, allonge-toi. Ok, ouais, bon, là, t'es assis, là. Ah non, zut. Là, t'es assis. Ok, nickel. Voilà, là, Billy, il est allongé, les gars. Du coup, Billy, quand ton père, il arrive, faudrait que tu fasses genre, t'as mal et tout, que t'es blessé, que je t'ai coupé la jambe ou je sais quoi, tu vois. Et genre, attends, okay. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un cadre et on va mettre une arme dedans. Tu diras comme quoi, okay, hop, tac, je la mets où, jamais là. Oui. Ok, vas-y, hop, nickel, regardez. Bon, c'est plutôt pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les armes qu'on a. Donc, je sais pas si je prends une petite arme à feu, regardez. Oh, une tronçonneuse. Oh, nickel. Regardez, il y a une tronçonneuse juste ici. Du coup, alors, vas-y, Billy, rends-la-moi. Oh, nickel, merci, hop. Du coup, regardez. Ah, il l'a mis dans le machin, regardez les tronçonneuses. Donc, ça fait du bruit, regardez. Wow, hardcore. Je crois qu'on peut même couper. Aïe. Regardez, ah non, on peut pas couper. Ah si, regardez, ça coupe nickel. Bon, du coup, regardez, là, il commence à faire nuit. Je pense que Souka va pas tarder à venir. Du coup, la tronçonneuse, elle est sur le mur, accrochée. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre derrière, derrière la porte qui mène où? Ah, qui mène au setup, ok. Du coup, j'espère qu'il n'y a pas nous voir ici. Du coup, alors, Souka, j'ai entendu ronronner, les gars. Enfin... Billy! Wesh, je crois qu'il... Oh, il arrive, je crois. Billy, je suis fatigué, viens m'aider à porter les courses. Oh, regardez, il a fait les courses. Ok. Il est où? What, Billy, qu'est-ce qu'il y a? Billy? Oui, je. Oh. Quoi? Regardez, juste là. Billy? C'est toi qui as fait tomber du ketchup par terre? Oh, il croit que c'est du ketchup, Souka, regardez. On va voir si Souka suit les traces. Ok, on va se mettre dans l'angle. Ok, donc là, Billy il est en train de faire des coups de tronçonneuse, donc faut qu'il arrête parce que sinon ça va être trop douteux. Ok, du coup, Billy? Oh, regardez, Souka, je vais me baisser. Billy? Regardez, il est là, il y a juste Souka. Qu'est-ce ici. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Il y a Souka juste ici, attention, on va voir les gars sa réaction. Billy, Souka, il arrive. Ouais, je. Regardez, oh, Billy, qu'est-ce qui se passe, Billy? Réveille-toi. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Regardez. Awaris. Awaris. Quoi, Awaris, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Cassez. Ça avec ça. Oh non. Ouais, je suis mort. Mais qu'est-ce que fait une tronçonneuse? Ok. Mais Billy, qu'est-ce que t'as fait? Oh non. Billy, non. Ok, bon, Souka, il est il a pas encore vu que Billy était en train de mourir, les gars, je crois. Il a vu qu'il était juste blessé, mais regardez, je pense que Billy va lui dire Billy, qu'il va tout mourir. T'es mort. Regardez. Blais. Ok. Bon, du coup, Souka commence à s'inquiéter, je sais pas qu'est-ce qu'il va lui dire, on va voir. Billy,
Regardez, il essaie de creuser autour de lui pour essayer de le réveiller, mais il n'y arrive pas. Bon, je pense qu'on va, les gars, il faut qu'on intervienne non parce que sinon Souka va commencer. Réveille-toi, Billy. Wesh, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de réanimer. Ouah, ça profite, on va vite intervenir avant qu'il le tue. Souka, Billy, c'est bon, relève-toi, relève-toi. C'est un prank, arrête, c'est un prank. Wesh, il s'est évanoui, les gars. Wesh, Souka s'est évanoui. Allez, on réveille, vas-y, Billy, mets-lui des tartes. Hop là, ok, bon, du coup, là. Ça va, Souka? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, on a voulu faire une blague avec Billy. Quelle blague? Quoi? Mais non, mais Billy dit que c'est une blague. Billy dit que c'est une blague. C'est du ketchup. C'est toi? C'est du ketchup. Écoute, c'est du ketchup, on t'a dit. Ketchup. Oui, c'est du ketchup, regarde, il va bien. Attends, va. C'est du ketchup. Bah oui, c'est de la sauce tomate. Non, c'est de la barbecue. C'est de la barbecue. Oh, bah, je me suis trompé dans le frigo. Ok. T'as eu peur, Souka? Bah oui, j'ai eu peur quand même, Awariz. Qu'est-ce qui t'a pris de me faire une farce comme ça? Non, mais je sais pas en fait. Je voulais te pranker. Ça faisait longtemps que j'étais pas venu chez vous. Enfin, j'avais pas vu Billy et tout. Je me suis dit pourquoi pas lui faire une blague, tu vois. Et vu qu'il m'a dit que t'étais allé faire des courses et tout, je me suis dit yes. Ah ouais? On va le prendre. Mais attends, moi j'ai une petite idée, Awariz. Tu vois, j'ai ma petite idée. Vas-y, dis-moi. Sur comment on peut terminer la vidéo. Parce que c'est une vidéo que tu tournes, n'est-ce pas? Ouais, je suis en train de tourner. Bah, ça te dit, Billy, comme tu m'as fait une très très mauvaise blague de mauvais goût, bah, je pense qu'il y aura un vrai meurtre. Non. Ok, les gars. Souka, les gars, va me tuer, les gars. Du coup, on va vite s'enfuir parce que je crois qu'il est vraiment énervé. Oh, regardez, il aime pas du tout les blagues, Souka. Du coup. Ok, du coup, les gars, Souka, il aime vraiment pas les blagues. Si vous voulez qu'on lui refasse une blague dans une prochaine vidéo, dites-moi combien de likes. Enfin, non, je vais vous donner 4000 likes, les gars, sous cette vidéo, voire 5000 likes, mec, parce que c'est vraiment trop dur à pranker Souka. Regardez, bon, je crois qu'on a réussi à le semer. Non, il est encore en train de nous suivre. Du coup, mettez 5000 likes, les gars, sous cette vidéo et on reprendra Souka et Billy ou peut-être Souka et sa fille, Lily, je crois qu'elle s'appelle. Du coup, là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos, bah, dites-moi dans les commentaires. Si vous avez des idées de vidéos également, dites-moi dans les commentaires. Si vous voulez tracteurs, pareil. Du coup, là, je suis souvent en live en ce moment, les gars, vers 18h, 20h, etc. avec Souka, Oximoz ou d'autres youtubeurs. Du coup, n'hésitez pas à venir. Normalement, quand vous verrez cette vidéo, normalement ce soir, je serai peut-être en live. Ce n'est pas sûr si j'arrive à régler ma connexion. Du coup, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo et peut-être à ce soir pour ceux qui viennent sur le live. Ciao tout le monde!